Bonsoir Marseillais et Marseillaise, supporters de l'OM, supportrice. Putain, l'éclairage il est pas fameux. Bon, allez, ça va, on va laisser comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien l'équipe. Et qu'est-ce que je t'avais dit, gros? Je te l'avais annoncé ou pas? Je t'ai dit que ça puait la merde ce match. Les gars, vous avez vraiment pas de couilles. Ne pas terminer ce dernier match comme ça, c'est clairement manquer de respect. Vous avez manqué de respect à l'OM, les frérots. Vous avez manqué de respect. Frère, joue au ballon. Alors, oui, tu vas me dire, ouais, CAD, je sais pas quoi, on a joué jeudi. Mais même si on a joué jeudi, les gars, c'est des professionnels. Ils sont payés 300 000 par mois. Faut arrêter, frère. Faut arrêter de me sortir cette excuse en polystyrène. Non, franchement, les gars, je vous mens pas, ce match-là, il m'a gonflé. Il m'a gonflé. Je le savais qu'on allait se faire déchiqueter. Mais je vous l'ai pas dit en live. J'y suis allé mollo, tu as vu. Mais honnêtement, la prestation défensive que j'avais vue jeudi, j'ai dit ça pue. En fait, les gars, Gigot, c'est leur père, frère. Gigot, c'est leur daron. Voilà. Remarquez bien, hein, pertinent ou pas pertinent, hein, remarquez bien, depuis qu'il n'y a plus Gigot, on se fait déchiqueter en défense. Alors attendez, les gars, c'est quoi, même si ce n'est pas le moment, les frères, n'oubliez pas, il y a mon lien. Il y a mon lien dans la description, mon partenaire BRB Foot. Vous avez des maillots pas chers, par exemple, un ensemble comme ça, tu le payes 30 euros. C'est vraiment incroyable. Voilà, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont intéressés, je valide complètement la boutique en ligne. Avant que j'enchaîne sur Merlin de Montvier. Qu'est-ce qu'il est nul! J'aimerais, les gars, faire une grosse dédicace à notre frérot MM. Merci, mon frère, à tous les gens. En fait, les gars, j'aimerais faire une grosse dédicace à tous les gens qui me soutiennent dans mes lives. Voilà. C'est la moindre des choses. Et même si je sais que, frère, je suis pas Gotaga non plus, tu as vu. Mais franchement, grosse dédicace à tous les mecs qui m'envoient de la force à chaque fois dans les lives. Vous le savez, les gars, on n'est pas des gros youtubeurs, on ne fait pas rentrer des sommes de fous. Voilà, c'est des petits sous pour être très honnête. Donc, merci à mon frérot MM, merci à mon frérot Zbla, merci à mon frérot Gamerius. Un grand merci aussi à Bakouille Gamer du 53 et Rio Seba. Siba, merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier le frangin Farid Bengayou qui a régalé d'une autre manière hier. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Les gars, je vous embrasse. Merci pour la force. Vous les voyez tous là, les gars. C'est pour ça que je tenais à faire cette petite dédicace. Les gars, un truc de fou. Qui a dit que Quentin Merlin était bon? Qu'est-ce que tu es nul, espèce de grosse merdasse en bois, les gars, il est éclaté de fou malade. Il est nul de fou. En plus, il ressemble, frangin, à Vitinha. Il est mort, les gars, il est mort. Klose, pareil, tu te réveilles en fin de match. Tu te réveilles en fin de match, tu fais le même examen quand même sur ton gueule. Mais il y a 2-0, frérot, il reste 4 minutes, arrête d'inventer un peu. Tu aurais pas pu faire ça en début de match. Tu aurais pas pu sortir ton vieux. La défense, les gars, elle est éteinte. Elle est éteinte, la défense, les gars. Elle est nulle. Tu peux pas. On peut pas venir dire, ouais, l'OM, c'est solide, nanani, nanana. Frérot, tu en prends 3 en Espagne, et là, tu en prends 2. Frère, comment ça se fait qu'un mec comme Martin Terrier, quand tu as deux chameaux dans la surface, et par contre, faut arrêter. Faut arrêter, frérot. Bamo Meite, faut arrêter. Mets-le au milieu, frérot. Après, c'est vrai, il n'avait pas le choix. Il n'y avait pas Balerdi. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter les mecs qui connaissent un peu rien au football. Je vous embrasse. C'est pour vous, les frères. Les mecs qui connaissent rien au football qui te disent, mais pourquoi on n'a pas joué en 3-5-2? Mais parce qu'il n'y avait pas 3 défenseurs, enculé. Il n'y avait pas 3 défenseurs. Donc ce soir, il n'a pas eu le choix de faire jouer
Bah, mon métier, mais moi, je vais pas le critiquer, les gars. Il dépanne à droite. Il dépanne dans l'axe. Il joue au milieu. Bientôt, il va être sur le bord de terrain. Les gars, on y va. Tac, il va faire la tactique. Il va tout faire. C'est préparateur physique. Il va faire des massages. C'est bon, c'est bon. Après, frérot, Balerdi, moi, les gars, pour moi, Balerdi, il devait jouer ce match. Ok, peut-être, petit pépin et tout, mais je suis pas convaincu qu'il était vraiment. Après, c'est vrai, je fais la mauvaise langue. Je fais la mauvaise langue. Les gars, dégoûtés, franchement, tarpin dégoûté. Ce match-là, il m'a clairement fait mal à la tête. Honnêtement, frérot, j'ai passé une journée de merde. Je pouvais pas mettre mon patch dans le dos parce que j'ai tarpin mal au dos. Et l'OM, tu arrives, tu nous plombes comme ça, frérot. Tu nous plombes. Et Klos, écoute-moi bien, espèce d'enculé. Écoute-moi bien. Quand tu perds un match, évite de sourire. Moi, j'ai un vrai problème, les frangins. J'ai un vrai problème. Hein? Il n'y a pas longtemps, on regardait cette image. Je vais te la montrer. Elle est où? Elle est où? Je vais te montrer une image. C'est pas là. Ça devrait être ça. Non. Il n'y a pas longtemps, on regardait une image, elle était complètement incroyable. Ça te montre un peu. Regarde, elle est là. Ça te montre un peu la mentalité. Frérot, à l'ancienne, quand les mecs y perdaient, frangin. Il venait pas rigoler. Ah, oh, ça va, ta femme la pute, elle va bien. Comment il va, ton fils, le drogué, hein? C'est quoi ces mecs qui rigolent avec l'adversaire à la caméra? La Klose, il est en train de rigoler avec le Stéphane. Pourquoi vous manquez de respect comme ça? Fais au moins semblant. Fais au moins semblant. Regarde-moi, à l'ancienne, frère, à l'ancienne. Les mecs à l'ancienne, frère. Frérot, dans le couloir, ça parlait. Même si c'est son pote, hein, frérot. Même si c'était son pote, dans le couloir, il regardait de travers. Je m'en bats les couilles, tu gagneras pas. Voilà. Moi, je défends mes couleurs. Maintenant, frère, ils sont là, ils sont pleins de brushing, des trucs, des buzz cuts, des trucs, des tatouages, des teintures, devenus des tafioles. On a rigolé hier. C'est devenu des tafioles. Même plus vous respectez votre peuple, même plus vous respectez vos supporters. À la fin, vous allez attendre d'être dans les couloirs. Les mecs, ils sont là, ils sont chez neuf, et vous, vous rigolez entre vous, genre, ouais, tu as gagné, vas-y, tranquille, ouais, c'est bon, ouais, je vais avoir une carte sur fut, t'inquiète. Vraiment, une chiennerie comme pas possible. Voilà, moi, ça me saoule, les gars, ce genre de comportement, il me gonfle. Faites au moins semblant, cachez-vous, quand vous perdez un match, que tout le peuple marseillais, il est dégoûté. Cachez-vous au moins, cachez-vous pour rigoler. Nous, on est là, on est frustrés, frère. On a la boule au ventre, frérot. On n'est pas bien. On peut partir en couille, on peut glisser à cause de vous. Et vous, vous rigolez, genre, je m'en bats les couilles, je prends 300 000 par mois, qu'ils aillent tous se faire enculer. Non, c'est trop. Franchement, ça m'a gonflé, les gars. Ça m'a gonflé de voir un Klos rigoler. Après, les frangins, il n'y a rien à dire, hein. J'aimerais toucher un petit mot à l'arbitre. Franchement, oh gros, il a sifflé aucune faute pour l'OM. Aucune faute. On dirait, quand c'était l'OM, il n'avait pas son sifflet. Les frérots, n'oubliez pas le petit like. Si vous voulez bien liker, merci à tous qui likeront. J'ai hésité à le faire ce débrief, hein, parce que j'étais vraiment remonté. Voilà, mettez je participe pour les maillots. Désolé les gars, je suis remonté. Peut-être que tout à l'heure je ferai un live, je sais pas, comme je suis tendu encore. Si ça redescend vers 23 h, ben on fera un petit live. Voilà quoi, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Désolé, je lance le débrief un peu tardivement. Prenez soin de vous, l'équipage. Encore merci à tous qui me soutiennent durant mes lives. Je vous embrasse, une grosse, grosse dédicace à vous. Et allez l'OM, hein, frère. Hein. On termine sur une mauvaise note. Allez l'OM quand même, frérot. Hein. Bise, les gars.